Les réseaux sociaux ont complètement bouleversé le mode de vie des jeunes. Ils sont devenus presque indispensables pour cette tranche d'âge qui y préfère passer leur temps plutôt qu'à étudier. Nombreux sont les jeunes qui peuvent facilement s'y connecter à longueur de journée, voire même 24 heures sur 24. Les enfants et adolescents scolarisés sont très souvent connectés sur Facebook ou autre WhatsApp, une utilisation qui peut facilement entraver leur concentration dans les études. Ndey Awa, élève en classe de première au lycée Guignabo de Jigenchor, parle de l'utilisation qu'elle en fait. Ça nuit aux études parce que, genre, on peut pas cumuler études et téléphone. Si on doit faire ça, on doit utiliser le téléphone à des heures limitées et après reprendre le cahier pour apprendre. L'utilisation abusive est nuisible à notre santé, d'abord parce que le téléphone a des ions négatifs. Ce n'est pas bon pour notre santé, notamment pour les études. Les parents regrettent vivement cet intérêt manifeste des jeunes pour les réseaux sociaux. Si certains parents ignorent le côté néfaste, d'autres par contre en sont bien conscients. En tant que parent d'élève, dès que j'ai senti que mon aîné avait commencé en utilisant trop les tablettes que je l'achetais, il avait perdu sa concentration, j'ai retiré les tablettes et je lui faisais beaucoup lire. Je sais que ça prend beaucoup de leur temps parce que... Ils ne révisent même plus, ils sont toujours avec leur téléphone, avec leur smartphone, donc voilà. À mon avis, je vois que ça détruit l'efficacité des études des enfants. Mais actuellement, je vois que les élèves, ils passent tout leur temps à utiliser Facebook, Twitter, WhatsApp. Même le niveau est à la baisse. Pratiquement, les jeunes d'aujourd'hui ne peuvent plus vous manier un français correct. Et ça, c'est dû à l'utilisation intensive des réseaux sociaux. Le développement fulgurant des nouvelles technologies de l'information et de la communication a fait qu'il est devenu difficile de sécuriser totalement des épreuves, des examens. On se rappelle des fraudes massives qui ont caractérisé l'examen du baccalauréat de 2017. Au lycée Guignabo, l'administration a pris des dispositions fermes pour lutter contre l'utilisation abusive des réseaux sociaux. Mbemba Sanya, censé des études du lycée Guignabo, bassin des Igenchor. L'office du bac, même nous au niveau du lycée, le règlement intérieur interdit l'usage du téléphone portable. Et donc, on commence dès à présent à prendre nos dispositions pour que nos apprenants comprennent que le téléphone portable, l'usage qu'on en fait n'est pas bon. Parce que c'est un moyen de tricher. Je m'appelle Ousseynou Cissé, professeur d'histoire et géographie. Bon, d'une part, c'est un danger quand on l'utilise dans un mauvais sens. Par exemple, tout à l'heure, je parlais de fake news. Alors, des fausses informations qui circulent. Et aussi, c'est bien également, pourquoi ? Parce que c'est un outil qui permet... Le monde évolue à travers le business, à travers l'information, etc., etc. L'utilisation des réseaux sociaux ne doit pas seulement être une menace pour la jeune génération. L'invite est pour les parents de travailler pour que ces derniers en fassent bon usage.